Aujourd'hui, nous vous présentons la roue de l'attraction, un outil qui s'adresse à un public de 13 à 25 ans. Il s'utilise en groupe ou en individuel et toujours avec un animateur. Hélène va nous faire la présentation. L'outil se compose d'une roue divisée en 9 critères et d'une échelle allant du plus au moins, permettant de classer tous ces critères selon leur ordre d'importance. Si vous voulez réaliser cet outil vous-même, vous pouvez vous reporter à l'affiche sur le site du CRIPS. Les participants tournent la roue successivement 2 fois et ensuite classent les critères selon l'ordre, l'importance qu'ils ont pour eux dans une rencontre. Par exemple, la personnalité peut avoir beaucoup d'importance et l'âge, un petit peu moins. Vous allez demander aux participants ce qui a déterminé leur choix. L'objectif étant de travailler sur les stéréotypes de genre, vous pouvez leur demander si, à leur avis, les filles et les garçons présenteraient les critères selon le même ordre d'importance. Si vous utilisez l'outil avec un groupe mixte, vous pouvez aussi demander aux garçons puis aux filles, ou l'inverse, ce qu'ils penseraient sur l'autre sexe. En général, c'est assez caricatural. Les garçons sont attirés par le physique et les filles sont attirées par l'argent. Vous pouvez alors amener les participants à nuancer leurs propos. En jouant naïf, est-ce que tous les garçons et toutes les filles pensent de la même manière? Est-ce que c'est notre sexe qui dicte notre manière de penser et nos choix? Ou alors est-ce que c'est la culture, la socialisation, etc.? L'idée est de dépasser un petit peu toutes ces histoires de généralisation et de déconstruire tous les stéréotypes qui sont attribués aux garçons et aux filles. La roue de l'attraction permet d'échanger sur les préférences dans la vie affective et sexuelle et de réfléchir sur les stéréotypes de genre. Le critère sexe permet d'aborder la question de l'orientation sexuelle. Vous l'avez compris, nos outils servent à ouvrir la discussion. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Grâce à vos questions, les participants pourront prendre du recul sur leur pratique.